James Thierry, lui, il est absolument tout sauf chanteur. Il est danseur, il est acrobate, musicien, metteur en scène, acteur aussi. Deux spectacles qu'il imagine comme des rêves éveillés, le plus souvent muets. Ça touche au cirque, au numéro d'illusionniste, à la pantomime. Bref, un art du spectacle complet pour ce petit-fils de Charlie Chaplin. Mais aujourd'hui, c'est au cinéma qu'on le retrouve dans Mes séances de lutte, le nouveau film très physique de Jacques Doyon, James Thierry, Parcours du combattant, Alexia Gaillard. Mes séances de lutte de Jacques Doyon, c'est une expérience. L'expérience de ce couple incapable de vivre leur histoire d'amour, qui se parlent beaucoup et finissent par se battre jusqu'à instaurer un rituel de lutte. Ce violent corps à corps est familier pour le performeur, acrobate et comédien James Thierry qu'on a retrouvé à Paris. J'étais un peu l'expert en assurance du film parce que c'était une petite équipe, petit budget. Le but, c'était que personne se fasse mal trop vite. Moi, ça va, j'ai l'habitude de prendre des coups, de me rétamer. Je fais ça avec délectation. D'ailleurs, dans chacun de mes spectacles, je me donne des tartes moi-même, si personne ne m'en donne. Parce que j'ai une sorte de... J'aime sentir les choses du corps et du sol et les rencontres comme ça, un petit peu rocailleuses. Donc, le but, c'était surtout que Sarah ne se blesse pas et qu'on puisse en même temps, sans effets spéciaux, sans cascadeurs, donner le change dans ces scènes. James Thierry est aussi un raconteur d'histoire. Depuis son premier spectacle, La Symphonie du Hanneton, en 98, le petit-fils de Charlie Chaplin mêle les genres pour à chaque fois nous transporter dans des aventures surréalistes et poétiques. Je suis un carrefour vivant. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être des faiblesses et qui sont devenues en fait mon identité. De ne pas appartenir à une catégorie, au mime, au cirque, au théâtre, à la danse, je ne sais pas quoi. Et j'ai grandi dans toutes ces influences-là. Et en fait, c'est devenu un point de départ pour explorer un langage. Le langage du corps que James Thierry exprime aussi bien sur scène que devant la caméra de Claude Miller ou de Tony Gatliff. Pour l'artiste, la frontière entre cinéma et théâtre reste ténue. Le mime et le jeu ne sont pas si éloignés que ça. On peut trouver des subtilités incroyables au théâtre. Le spectateur fait des gros plans. C'est très cinématographique, le théâtre aussi, parce que finalement, on a le corps qui doit exprimer largement des choses, mais l'intériorité est absolument essentielle. Moi, en tout cas, c'est la dynamique et la direction de mon travail va dans ce sens-là. C'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est juste un corps qui peut exprimer différemment des émotions qui doivent être totalement authentiques. C'est ces moments-là que je recherche, moi. Où j'ai l'impression d'être dans un rêve, d'avoir une meute de chiens qui me poursuit, et d'avoir des jambes lourdes, et d'être au ralenti et d'y croire. J'ai tendance à vouloir être éreinté à la fin de l'expérience. Jusqu'ici, c'est beaucoup par l'épuisement, la respiration et l'investissement corporel. Et avec le temps, et avec les courbatures, et avec les blessures, et avec... Il y a aussi d'autres choses qui arrivent, c'est aussi l'expérience plus subtile du jeu et de ne pas chercher à impressionner les gens, hein, de plus aller les chercher dans de billets, là, en oblique, par derrière, comme ça, que ça soit étrangement familier.